Le père a brutalement arraché la pomme de son fils et l'a mangée. Le garçon ne peut que regarder. Impuissant, un garçon tend alors une bouteille d'eau à son fils. Mais le père arrache immédiatement l'eau de la main de son fils. Il la boit avec satisfaction. Bientôt, quelqu'un d'autre tend une banane au garçon. Le père l'arrache à nouveau. Il a mangé toute la banane, ne laissant que la peau à son fils. Bientôt, quelqu'un d'autre tend au garçon un billet de banque. Le père regarde le billet d'un air surpris. Il arrache le billet et l'a mis dans sa poche. Puis une femme arrive. Elle tend au garçon un morceau de pain. Mais dès que la femme est partie, le père a repris le pain du garçon. Il a grondé son fils pendant qu'il le mangeait. Et quand la femme l'a remarqué, elle a sorti deux billets de son sac et les a tendus au père. Elle veut adopter le garçon. Le père a accepté les billets avec plaisir et a dit à son fils de sortir rapidement de là. Lorsque le garçon s'est levé, il s'est retourné plusieurs fois vers son père. Mais le père n'avait Dieu que pour l'argent. Il a même fait un geste à son fils. Le garçon est allé chez la femme. Il a pris une douche et s'est brossé les dents. Et il n'a plus jamais eu faim. Chaque jour, il avait un bon repas. Peu de temps après, le garçon et la femme rencontrèrent son père sur la route. Le père du garçon s'était évanoui de faim. Mais le garçon se souvient des brimades qu'il a subies. Il n'a aucune sympathie pour son père. Le garçon a claqué la vitre de la voiture et est parti avec détermination. Pensez-vous que le garçon a bien agi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.